Un jour, un youtubeur est né pour faire des défis et faire un peu l'idiot dans ses vidéos. Il a promis et il a toujours pas fait. Donc Yonix vaincra les zombies dans la série 1. Au revoir tout le monde. Hello les gamers, les gamers, c'est Yonix pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Alors je vous avais promis de faire, on va dire, l'idiot pendant les prochaines vidéos, mais c'est ce qui va se passer. Et vous avez vu la présentation, j'ai un peu déliré sur ce côté un peu... Ah. Oui bon, j'arrête un peu là parce que je m'emporte trop loin. Bon allez, défi 1, comme j'ai dit dans la présentation, je ferai toujours une petite présentation comme ça pour la série, par contre il n'y aura pas mon intro et tout ça. Alors, mon défi en fait c'est de jouer à l'M14 seulement et c'est tout, et jusqu'à la manche 10, et si je peux aller plus loin, ben, bien sûr ça sera bien heureux. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas joué depuis un certain temps. Par contre, j'ai le droit à Mastodonte et tout. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire c'est facile, mais moi j'ai pas joué depuis un certain temps, donc ça sera un peu difficile. Et pour les prochains défis, ça sera des défis un peu plus maniaques sur le multijoueur ou autre. Toujours avec une présentation un peu maniaque. Petite dédicace à Rémi qui voulait que je fasse du Resistance 2, mais j'ai dit que ça serait la série des vacances et je l'avais promis, mais ça serait la semaine prochaine, et la semaine prochaine c'est maintenant. Donc premier jour un peu de zombies et deuxième jour un peu de multijoueur. Enfin je vous en dis pas plus. Demain peut-être il y aura, je sais pas, un défi aussi maniaque que celui-là. Encore heureusement, heureux que j'ai pas mis la manche 20, parce que la dernière fois comme un bolos, je voulais essayer la manche 20, ce que ça faisait. Et ben, en fait, c'est que je me suis fait tuer en même pas 4-5 secondes, parce que y avait tous les zombies qui me couraient au cul. Ah, j'adore recharger comme ça. Là, je crois que j'ai un peu parlé de ce que... les points que je voulais aborder. Alors le défi des vacances, ça constitue à quoi? Ben, à se relaxer pendant la première semaine, parce que la deuxième semaine je ne ferai peut-être pas de vidéo, ou juste une petite vidéo, mais c'est vraiment pas sûr, parce que comme je vais chez ma mère, eh ben je, comment dire, je ne peux pas assurer, comment dire, directement mon HDPVR est là-bas, donc on verra un peu plus tard. Vous inquiétez pas, enfin là c'est vraiment du live, il y aura que du live pendant la série des vacances. C'est pour ça que ça va être un peu plus difficile pour moi, parce que, comment dire, moi j'ai un peu l'habitude de présenter que des différés pratiquement, mais bon, les lives c'est pas mal. Et la petite présentation que je vous ai fait tout à l'heure, ça me touche tellement, ça me touche. Oui, vraiment, ça me touche. Merci, merci, merci. Merci, merci. Je donne mon petit accent. Je ne sais pas lequel, mais je le donne. J'espère que dans mes vidéos, vous aimez tout le temps mon accent. Aussi que vous me l'avez dit dans pratiquement toutes mes vidéos. Il faudrait pas que je meure qu'à la manche 3, hein. Ça serait un peu bête, hein. Vous trouvez pas? Bon, ouais, ça serait un peu bête, parce qu'en fait là je les ai mis en original. Ils sont pas tellement nuls que ça. Donc faut que je veille mes arrières et faire pas le foufou. L'effet feu, l'effet feu. Oh. Voilà. Là là là. Mais par contre, j'ai le droit au pistolet aussi, hein. C'est pas que le défi au M14, mais bon. Vu que, comment dire, le pistolet est beaucoup plus difficile à utiliser que la M14,
Je crois que vous aurez aucun ami que je l'utilise. Hein. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Pourquoi je fais la Marseillaise, mais en air. Je vous ai dit, la première fois que vous allez voir mon petit coco feu, la coco à feu feu, ouais, bon, j'arrête pas de faire le con. Enfin, remarque, je peux pas vous faire rigoler comme ça. En fait, je sais pas si je vous fais rigoler dans la vidéo. Vidéo. Et là, il y a un zombie. Non, non, il y en a même pas de zombie derrière moi. C'était un bug de chunk. Bah, 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 bug de chunk. J'ai presque plus de balles. Je vais me faire buter. Et si je me fais buter, je vais dire. Comme une dernière vidéo que j'avais postée, j'avais dit. Non, non, mais j'ai fait exprès de mourir. Hein, vous inquiétez pas, je suis un PGM. J'ai le droit d'aller récupérer des munitions quand même. Oui, j'en ai le droit. Parce que alors là, je serais dans la merde si je pouvais pas récupérer des munitions. Déjà qui c'est bien assez dur. Mamma mia. Yeah, baby, ciao. Toi, ta gueule, voilà. Après, peut-être ça sera des défis en zombie. Pas que BO2, hein, ça sera des défis sur tous les jeux. Donc peut-être sur Moon, la map qui m'a donné tant de d'ennuis sur BO1. Je vous l'avoue, j'ai acheté les packs et en fait dès que j'ai essayé Moon, c'était la map la plus difficile avec moi. Mais par contre, les défis ne seront pas que tout seul. Peut-être qu'il y aura des gens, oui, il y aura peut-être des gens. Comme peut-être mon prochain invité, qui sera peut-être X-Predatorix, je vais lui demander. et si, comment dire, ça lui plaît, eh ben, on fera une ou deux vidéos dans le truc. Alors, voilà. Là, je me débrouille pas mal. On est déjà à la manche 4 ou 5. Bon, ouais, 4. Je me rappelle plus des nombres. Vous inquiétez pas, j'ai. Je crois que j'ai un peu bu. J'ai trop abusé. Et c'est ça qui me fait disjoncter. Mais bon, je vous ai dit. Pour les vidéos foufou, si je fais trop le fou. Et que vous préférez mon côté sérieux. Ben, pour ça, il faudra aller voir mes vidéos sérieuses. Et là, je suis moi à la manche 5. Bravo, bravo, bravo. Alors, pour le défi 1, c'est complètement à chier. Alors, je crois que demain, vous aurez peut-être une prochaine vidéo sur Amon. Et je verrai le défi approprié pour ça. Que ça devienne aussi dur que celui-là là. Mais bon, j'espère que vous m'en voulez pas que je suis mort aussi débilement. Mais bon, j'ai pas joué depuis un certain moment en zombie. Et j'espère que vous allez bien aimer la prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.